remercie de prendre place. Bien, la séance va démarrer. Conformément à l'alinéa 1 de l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. La séance est donc ouverte sous ma présidence en qualité de doyen de séance. Suite à la convocation du maire sortant, Madame Michèle Saluki, en application de l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales. Bien. Bonjour à tous et bienvenue à ce conseil municipal d'installation. Je suis personnellement extrêmement heureux et fier de présider ce conseil municipal intronisant notre nouveau maire. Je remercie de leur présence Madame Piquer, Monsieur Ribeiro, ancien maire. Les derniers événements sanitaires exceptionnels vécus dans notre pays et dans le monde font que cette convocation est un peu spéciale et notre séance se tient de façon plus tardive qu'elle n'aurait dû initialement avoir lieu, suite au report du second tour du scrutin municipal. Ce virus nous a particulièrement touchés, puisque un des conseillers municipaux de l'ancienne majorité en a été victime. Et je vous prie à ce titre préalable de bien vouloir vous lever et prendre une minute de silence en mémoire de Monsieur Jean-Michel Ambrogio. Merci. Revenons à notre séance d'installation qui se tient donc en salle du Minotaure, compte tenu des dispositions sanitaires actuellement applicables et telles que précisées à la convocation. Outre le public présent, je vous indique une diffusion en direct des débats au public et réalisée de manière électronique sur le site internet de la ville de Vallauris-Golfe-Juan. Je vais tout d'abord procéder à l'appel des conseillers municipaux nouvellement élus lors des dernières élections des 15 mars et 28 juin dernier, ainsi qu'à leur installation. À l'appel de votre nom, je vous invite à vous lever et à reprendre place. Je vous remercie de remettre en même temps à l'administration le ou les pouvoirs en votre possession concernant la séance de ce jour, en précisant le nom des élus concernés. Deux pouvoirs par mandataire sont autorisés conformément à l'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020. Applicable à notre séance. J'appelle donc Monsieur Kevin Luciano.
Madame Marie-Paul Anas. Monsieur Christophe Fonck. Madame Catherine Lanza. Monsieur Hassan Salou. Madame Christelle Bertagna. Monsieur René Armando. Madame Claudie Jiménez. Monsieur Dominique Bruzizi. Madame Christelle Rioton. Monsieur Georges Vazia. Madame Marion Musso. Monsieur Éric Chalvin. Madame Virginie Vasseur. Monsieur Patrick Loangba. Madame Blandine Bain. Monsieur Laurent Thierry. Madame Anne-Laure Sebar. Monsieur Jean-Frédéric Razafiorison. Madame Alexandra Cornardo-Chevas. Monsieur Philippe Sétier. Madame Stéphanie Aublin. Votre serviteur, Monsieur Jean-Claude Ponce. Madame Corinne Selamaro. Monsieur Michel Manago. Madame Karine Bonucelli. Madame André Capadona. Monsieur Éric Avril. Madame Marinette Langlais. Monsieur Marc Polycarpe. Madame Emmanuelle Cantoni. Monsieur Laurent Chartier. Madame Émilie Leduc. Madame Virginie Correa Varela. Monsieur Lionel Tivoli. Voilà. Non, merci, merci, merci. Ça va aller. Je vais maintenant vous donner lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars 2020 et 28 juin 2020. Résultat du second tour des élections municipales. Le nombre d'inscrits est de 18 341 électeurs. Le nombre de votants, 7 768, soit 42,29%. Le nombre de blancs et nuls,
59 blancs, soit 1%, et 90 nuls, soit 1,16%. Le nombre de suffrages exprimés, 7 619, soit 98,08%. Le nombre d'abstentions, 10 573, soit 57,65%. La liste Kevin Luciano, 2020 avec Kevin Luciano, Rassemblement pour l'avenir de Valoris Golfe-Juan, 2700 voix, soit 35,44%. Nombre de sièges au conseil municipal, 24. Nombre de sièges au conseil communautaire, 7. Liste Michel Saluki, Force Expérience pour notre ville, 2469 voix, soit 32,41%. Nombre de sièges au conseil municipal, 6. Nombre de sièges au conseil communautaire, 2. Liste Jean-Noël Falcou, Ensemble pour Valoris Golfe-Juan, 1766 voix, soit 23,18%. Nombre de sièges au conseil municipal, 4. Nombre de sièges au conseil communautaire, 1. Liste Lionel Tivoli, Une nouvelle ère pour Valoris Golfe-Juan, 684 voix, 8,98%. Nombre de sièges au conseil municipal, 1. Nombre de sièges au conseil communautaire, 0. Je déclare le nouveau conseil municipal installé. Conformément à l'alinéa 1 de l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Je vous rappelle que ce même article indique dans son alinéa 2, pour toute élection du maire, ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L2121-10 à L2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Un nouveau mandat commence et il est de tradition qu'en tant que doyen, privilège de l'âge, je préside l'Assemblée municipale et dise quelques mots avant de faire procéder à l'élection du maire. Alors, je tenais tout d'abord à vous souhaiter à tous la bienvenue. Comme évoqué, nous sortons d'une période inédite et très compliquée pour chacun d'entre nous. Je tenais à remercier tous ceux qui ont œuvré pour permettre à notre ville de continuer à fonctionner comme elle l'a fait, et qui ont su répondre présent dans ce contexte. Je tenais également à remercier à un niveau plus général tous les soignants et tous ceux qui se sont trouvés en première ligne sur ce front sanitaire exceptionnel. Nous commençons donc ce nouveau mandat dans un contexte différent de ce que nous aurions pu imaginer, et nous devons reprendre nos habitudes citoyennes. Et cette installation différée en fait partie. Quoi qu'il en soit, certains d'entre vous sont déjà familiers de cette assemblée. Pour d'autres, je crois que c'est pour beaucoup, il s'agit d'une nouvelle expérience. La campagne électorale est terminée,
et il est aujourd'hui temps de nous mettre en action, toutes et tous, pour être, chacun à notre façon, les artisans du rayonnement de notre commune et d'un travail sans relâche pour le bien de la ville et de ses administrés. Je tenais donc également, en dehors de toute considération politique, à remercier les conseillers sortants qui ont œuvré de la meilleure des façons et pour ce qu'ils ont accompli durant ces 6 dernières années. Il est désormais temps de nous mettre au travail et pour ce faire, je vous invite à procéder à l'élection du maire de la commune. Je vous rappelle que 35 conseillers sont présents et je constate que la condition du quorum posée à l'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, applicable à notre réunion, est remplie. C'est-à-dire que le tiers des membres en exercice composant ce conseil municipal est présent. En effet, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du Code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L2121-17 et L2121-20 du Code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes de commission ou bureau peut être porteur de 2 pouvoirs. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour toute élection du maire ou des adjoints au maire, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller municipal peut être porteur de 2 pouvoirs. Conformément à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il convient de désigner un secrétaire de séance par le conseil municipal. Je vous propose, au regard des usages, de désigner le plus jeune membre de notre assemblée en qualité de secrétaire de séance, à savoir Madame Virginie Correa Varela. Je vais maintenant procéder à la lecture des textes régissant l'élection du maire. C'est pas fini, hein. Article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de se faire même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L2122-4-1 du Code général des collectivités territoriales. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française
ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L21-22-5 du Code général des collectivités territoriales. Les adjoints des administrations ayant à connaître la compatibilité communale de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs des services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Article L2122-5-1 du Code général des collectivités territoriales. L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice dans la même commune des fonctions de maire dans une commune de 3500 habitants et plus, ou d'adjoint au maire dans une commune de 5000 habitants. Article L2122-5-2 du Code général des collectivités territoriales. Les fonctions de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaires en position d'activité. Article L2122-6 du Code général des collectivités territoriales. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. C'est pas moi. Article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L2122-7. Quand il y a lieu, en cas de vacances, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qu'ils occupaient précédemment, les postes devenus vacants. Article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidé par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L2121-10 à L2121-12.
La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres, ou compte moins de 5 membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qui sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de 4 membres. Article L. 2122-12 du Code général des collectivités territoriales. Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affiche, dans les 24 heures. Après cette abondante lecture et toutes ces informations, nous allons procéder à l'élection du maire. Voilà. Je vous rappelle, tel qu'indiqué dans cette lecture, qu'en application des articles L. 2122-7 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative. Enfin, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons constituer un bureau et je vous remercie de désigner deux assesseurs. Je vous propose de les désigner comme suite. Le conseiller municipal le plus âgé après moi, c'est une chance, hein, soit M. Georges Vazia. Le conseiller municipal le plus jeune, après le secrétaire de séance, soit M. Lionel Tivoli. Voilà. Par vote à main levée, qui est pour ? Qui est contre ? Personne. Hein ? Bon, donc l'unanimité. Merci. Je vais maintenant inviter les candidats au mandat de maire à se faire connaître, sachant que peut également être élu un conseiller municipal qui n'a pas fait acte de candidature. Monsieur Kevin Luciano se déclare candidat. Bon. Il n'y a pas d'autre, c'est bon. Alors, vous trouverez sur vos pupitres des enveloppes et des bulletins vierges sur lesquels je vous remercie d'indiquer le nom du candidat de votre choix. Conformément aux recommandations du Conseil scientifique, dans son avis du 8 mai 2020, je vous remercie de vous laver les mains au gel hydroalcoolique préalablement au remplissage du bulletin de vote et d'utiliser le stylo personnel qui vous a été déposé à votre place pour la signature de la feuille d'émargement.
Ah ça? D'accord. Ok. C'est bon. Ben voilà. Merci. Alors, à l'appel de votre nom, chacun d'entre vous viendra déposer lui-même son enveloppe dans l'urne, ainsi qu'éventuellement celle du ou des conseillers pour lesquels vous avez une procuration en précisant le nom de ce conseiller. Le nom des conseillers qui ne souhaiteraient pas prendre part au vote à l'appel de leur nom est enregistré. Je vous rappelle qu'après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral sont sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion et le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal, portant l'indication du scrutin concerné. Procédons donc à l'élection du maire. J'appelle les conseillers municipaux. Monsieur Kevin Luciano. Voilà. Kevin. Madame Marie-Paul Anas. Monsieur Christophe Fonck. Madame Catherine Lanza. Monsieur Hassan Salou. Madame Christelle Bertagnin. Monsieur René Armando. Madame Claudie Jiménez. Monsieur Dominique Bruzizi. Madame Christelle Rioton. Monsieur Georges Vazia. Madame Marion Musso. Monsieur Éric Chalvin.
Madame Virginie Vasseur. Ah oui. N'oubliez pas de mettre le gel, hein. Allez, un petit peu de gel. Merci. Monsieur Patrick Le Hongba. Le gel, hein, monsieur Patrick Le Hongba. Hein. Madame Blondine Bain. Monsieur Laurent Thierry. Madame Anne-Laure Sebar. Monsieur Jean-Frédéric Raza-Fiarison. Madame Alexandra Cornardo-Chevas. Monsieur Philippe Setier. Madame Stéphanie Aublin. Monsieur Jean-Claude Ponce. Ensuite, Madame Corinne Selamaro. Monsieur Michel Manago. Madame Karine Bonucelli. Madame André Capadona.
Monsieur Éric Avril. Madame Marinette Langlais. Monsieur Marc Polycarpe. Madame Emmanuelle Cantoni. Monsieur Laurent Chartier. Madame Émilie Leduc. Madame Virginie Correa Varela. Monsieur Lionel Tivoli. Alors, tout le monde a été appelé et les assesseurs vont désormais procéder au dépouillement de la façon suivante. L'un ouvre les enveloppes et cite le nom inscrit sur chaque bulletin à haute et intelligible voix et l'autre note et comptabilise. Alors, il y en a un qui ouvre les enveloppes et cite le nom et l'autre comptabilise. Pour rappel, et conformément aux préconisations du Conseil scientifique, la manipulation des bulletins lors du dépouillement et du comptage des votes sera réalisée par une seule personne, le comptage pouvant être validé par une autre personne sans qu'elle n'ait à toucher les bulletins. Voilà, 35 enveloppes. Monsieur Lionel Tivoli a compté 35 enveloppes. Donc, il n'en manque pas. La même personne. Ah bon. Je le répète. Kevin Luciano. Kevin Luciano. Kevin Luciano.
un blanc. Blanc. Kevin Luciano. 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 Un blanc. Un blanc. 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 Je les ai gardés pour la fin. Tous les blancs. Et blanc. Il a fait exprès. Tous les blancs à faire. Voilà. Alors, il y a 11 blancs. Et 20. Oui, bon, ben je vais les prendre ça. Combien là ? 18. 18. Bon, je lis ça, hein. Ah, 24.
Bien. Alors, nombre de conseillers présents à l'appel, n'ayant pas pris part au vote, 0. Votants, 35. Nuls ou blancs, 11. Suffrages exprimés, 24. Majorité absolue, 18. Il y a 24 voix pour Monsieur Kevin Luciano. Bien. Je déclare donc Monsieur Kevin Luciano, maire, qui est également immédiatement installé. Monsieur Luciano, je vous félicite et j'ai le plaisir de vous remettre ce collier et vous souhaiter un excellent mandat. Bon courage à vous et à votre équipe. La coupe et la parole. Non. Bien, comme la loi le prévoit, la présidente de l'Assemblée vous revient désormais. Je vous laisse la place. Avec plaisir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie également, Mesdames et Messieurs. Cet honneur que vous me faites est aujourd'hui mesuré. Je vous en suis profondément reconnaissant et je saurai me montrer digne et respectueux des fonctions que vous avez l'honneur de me confier. Je vous en remercie. Si vous me permettez, je souhaite dire quelques mots. Mesdames et Messieurs les anciens maires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers concitoyens, avec ce vote se concrétise un processus électoral ô combien singulier, pour ne pas dire inédit, dans notre histoire. D'ailleurs, la crise que nous traversons continue d'imposer ses tourments, en témoigne le dispositif qu'il a fallu mettre en place aujourd'hui. Naturellement, je regrette que bon nombre de nos concitoyens n'aient pu être présents à cette cérémonie du fait des règles sanitaires impératives qui sont à respecter. Je tiens néanmoins à remercier très chaleureusement l'ensemble des personnels mobilisés avec abnégation depuis plusieurs jours, comme ils l'ont été au reste depuis plusieurs mois, afin d'organiser ici et dans ces circonstances particulières l'installation de ce conseil municipal. Je suis conscient de leur effort, mais je me devais à nos concitoyens. Il n'était guère concevable, après les épreuves vécues, de priver notre ville du nécessaire moment de communion démocratique
que nous connaissons aujourd'hui. Bien entendu, je souhaite aussi exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des Valoriens et des Golfes Joannais qui m'ont fait confiance lors de ces élections municipales. Cette confiance nous honore collectivement et elle nous oblige individuellement. Cependant, c'est davantage encore aux électeurs qui n'ont pas voté pour nous que je souhaite m'adresser aujourd'hui. La bataille électorale a été dure, âpre, excessive, voire parfois violente. Elle est désormais achevée et doit demeurer derrière nous. Apaisement et rassemblement doivent toujours triompher. Le conseil municipal m'a fait l'honneur de me confier la fonction de maire de Valoris-Golfe-Juan. Cette fonction qui constitue, à mon sens, la plus belle de toutes et que j'exercerai en homme libre et avec beaucoup de passion. Je m'y emploierai avec conviction au service de tous nos concitoyens, sans jamais exclure quiconque. J'invite les groupes d'opposition à dépasser les querelles politiciennes de cette campagne. Je les invite également à participer activement avec la majorité. Il n'y aura jamais d'exclusion. Il y aura un respect mutuel, je l'espère, et je n'en doute pas. Je souhaite que tous les conseillers, je le répète, je le dis avec beaucoup de conviction, puissent être force de proposition. Ils pourront œuvrer pour l'intérêt de la commune. Ils pourront naturellement représenter les électeurs qui leur ont fait confiance, mais également avec la majorité, nous représenterons collectivement l'ensemble des électeurs de Valoris-Golfe-Juan. Tant de projets doivent être menés à bien au service de nos concitoyens. La commune, vous le savez, est le premier maillon territorial. C'est celui qui garantit la proximité. J'attache une immense importance à cette proximité. Mon équipe et moi-même, et je n'en doute pas, les élus d'opposition cultiveront cette proximité. Nous la cultiverons au quotidien et j'y veillerai scrupuleusement. En ce jour particulier, je pense bien entendu avec douleur à toutes celles et à tous ceux qui ont souffert de la crise sanitaire, dans leur chair, mais aussi dans leur vie et dans leurs activités. Nous ne les oublierons pas et nous serons toujours aux côtés de ceux qui éprouvent des difficultés. Dorénavant, dans cet esprit de responsabilité et de solidarité, s'écrit une nouvelle page de l'histoire déjà longue de Valoris-Golfe-Juan. Que nos concitoyens, inquiets pour certains de l'état difficile de la commune, se rassurent. Comme l'exprima si bien Dante, en effet, dans sa Divine Comédie, après avoir atteint le tréfonds du 9e cercle de l'enfer, le narrateur et son guide remontèrent par un boyau étroit pour revoir les étoiles. L'ascension sera difficile, c'est indéniable, mais les Valoriens et les Golfe-Juanais contempleront à nouveau les étoiles. Pour ce faire, il est plus que jamais indispensable que tous les enfants de notre chère commune se réunissent, se rassemble. Avec vous et pour vous, je m'y emploierai sans relâche. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous propose de poursuivre l'Assemblée selon l'ordre du jour reçu avec votre convocation. Vous avez également reçu les notes de synthèse et les projets de délibération qui y étaient joints. Nous allons immédiatement procéder à la fixation du nombre d'adjoints qui vont m'assister dans mon mandat ainsi qu'à la désignation de ces adjoints. Je vous rappelle les termes de l'alinéa 1er de l'article L 2122-1
du Code général des collectivités territoriales. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Conformément aux dispositions de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Au regard du nombre de conseillers municipaux composant l'Assemblée municipale et qui se porte à 35, le nombre d'adjoints à déterminer sera au maximum de 10. Je vous propose de fixer le nombre d'adjoints au maire à 10. Je vous rappelle que 35 conseillers sont présents et je constate que la condition de quorum posée à l'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 applicable à notre réunion est remplie. C'est-à-dire que le tiers des membres du conseil municipal en exercice est présent. À ce titre, je vous invite à vous prononcer par vote sur cette disposition. Ce vote est fait à main levée. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Parfait, le nombre d'adjoints est donc fixé à 10. Il nous incombe donc désormais de procéder à l'élection de ces adjoints au maire, tels que, selon le nombre déterminé par la délibération précédente du conseil municipal. Je vous rappelle que, suivant les alinéas 1 et 2 de l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, je cite, « Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les adjoints au maire sont donc élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales, ce vote a lieu à bulletin secret. Je vous propose de composer le bureau et de désigner, comme évoqué précédemment en qualité d'assesseur, le plus âgé après le doyen, à savoir M. Vazia, et le plus jeune après la secrétaire de séance, à savoir M. Tivoli. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je rappelle les modalités de dépôt des listes qui souhaitent candidater pour ces fonctions. Comme prévu par la circulaire du 13 mars 2014 du ministère de l'Intérieur, relative à l'élection et au mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires, la liste des candidats aux fonctions d'adjoint est déposée auprès du maire à l'occasion de chaque tour de scrutin. Sont ensuite proclamés, élus, l'ensemble des candidats de la liste ayant remporté l'élection. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale, et peut-être différent de celui-ci. Les listes doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Aucune disposition n'interdit donc la présentation de listes incomplètes. Aucun formalisme n'est requis pour la présentation de cette liste. L'ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement. Les listes sont déposées auprès du maire à l'occasion de chaque tour de scrutin. Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au tour précédent pour figurer sur une liste se présentant au tour suivant. Les listes sont des listes bloquées, sans par conséquent possibilité de panachage ou de vote préférentiel. Lors du décompte des votes, ne peuvent être valides que les bulletins de vote conformes à la liste déposée, tant pour les noms des candidats que pour leur ordre de présentation.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Les listes doivent donc comporter autant d'hommes que de femmes en cas d'élection d'un nombre pair d'adjoints ou un écart égal à 1 entre le nombre d'hommes et de femmes en cas d'élection d'un nombre impair d'adjoints. En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la fixation des modalités de dépôt des listes de candidats permettant de procéder à l'élection des adjoints au maire. Je remercie maintenant les listes qui souhaitent candidater pour ces fonctions de se faire connaître. Y en a-t-il ? Les listes faisant acte de candidature sont prévues. Comme suit, les listes. Liste Christophe Fonck, composée comme il suit. Premier adjoint au maire, Monsieur Christophe Fonck. Deuxième adjoint au maire, Madame Marie-Paul Anas. Troisième adjoint au maire, Monsieur Hassan Salou. Quatrième adjoint au maire, Madame Catherine Lanza. Cinquième adjoint au maire, Monsieur René Armando. Sixième adjoint au maire, Madame Christelle Bertagna. Septième adjoint au maire, Monsieur Dominique Bruzizi. Huitième adjoint au maire, Madame Claudie Jiménez. Neuvième adjoint au maire, Monsieur Georges Vazia. Dixième adjoint au maire, Madame Christelle Rioton. La liste est déposée. À nouveau, je vous rappelle que vous disposez d'enveloppes et de bulletins de vote vierges sur vos pupitres, sur lesquels je vous remercie d'indiquer le nom de la liste de votre choix. Comme précédemment, je vous remercie de vous laver les mains au gel hydroalcoolique préalablement au remplissage du bulletin de vote et d'utiliser le stylo personnel qui vous a été déposé à votre place pour la signature de la feuille d'émargement. À nouveau, je vous rappelle que 35 conseillers sont présents et je constate que la condition de quorum posée à l'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, applicable à notre réunion, est remplie. C'est-à-dire que le tiers des membres en exercice composant le conseil municipal est présent. À l'appel de votre nom, chacun d'entre vous viendra déposer lui-même son enveloppe dans l'urne, ainsi que celle du ou des conseillers pour lesquels vous avez une procuration. Le nom des conseillers qui ne souhaiteraient pas prendre part au vote à l'appel de leur nom est enregistré. Je vous rappelle qu'après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau, en application de l'article L66 du Code électoral, sont sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal. Il y aura mention de la cause de leur annexion, et le tout sera placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal, portant l'indication du scrutin concerné. Procédons donc sans plus attendre à l'élection. J'appelle les conseillers municipaux. Kevin Luciano, votre serviteur. Madame Marie-Paul Anas.
Monsieur Christophe Funk. Madame Catherine Lanza. Monsieur Hassan Salou. Madame Christelle Bertagna. Monsieur René Armando. Madame Claudie Jiménez. Monsieur Dominique Bruzizi. Madame Christelle Rioton. Monsieur Georges Vazia. Madame Marion Musso. Monsieur Éric Chalvin. Madame Virginie Vasseur. Monsieur Patrick Lowangba. Madame Blandine Bain. Monsieur Laurent Thierry. Madame Anne-Laure Sebar. Monsieur Jean-Frédéric Raza Fiarison.
Madame Alexandra Cornardo-Chevas. Monsieur Philippe Septier. Madame Stéphanie Aublin. Monsieur Jean-Claude Ponce. Madame Corinne Célamaro. Monsieur Michel Manago. Madame Karine Bonuccelli. Madame André Capadona. Monsieur Éric Avril. Madame Marinette Langlais. Monsieur Marc Polycarpe. Madame Emmanuelle Cantoni. Monsieur Laurent Chartier. Madame Émilie Leduc. Madame Virginie Correia Varela. Monsieur Lionel Tivoli.
premier tour de scrutin. Est-ce que l'autre secrétaire de séance peut venir? Tout le monde a été appelé et les assesseurs vont désormais procéder au dépouillement de la façon suivante. L'un ouvre les enveloppes et cite le nom inscrit sur chaque bulletin à haute et intelligible voix, et l'autre note et comptabilise. Pour rappel, et conformément aux préconisations du Conseil scientifique, la manipulation des bulletins lors du dépouillement et du comptage des votes sera réalisée par une seule personne, le comptage pouvant être validé par une autre personne sans qu'elle n'ait à toucher les bulletins. Merci. Il y a bien 35 enveloppes. Liste Christophe Funk. Liste Christophe Funk. Liste Christophe Funk. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Ils se sont rassemblés, il semblerait. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Et pour terminer, un bulletin blanc. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 bulletins blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
remercie les assesseurs. Après dépouillement et comptabilisation, les résultats du premier tour de scrutin sont les suivants. Conseillers municipaux n'ayant pas pris part au vote, 0. Votant, 35. Bulletin nul, 11. Suffrage exprimé, 24. Majorité absolue, 18. La liste conduite par Christophe Honck rassemble 24 suffrages. La liste Christophe Honck est donc élue. Après ce premier tour de scrutin, la liste Christophe Honck a obtenu la majorité absolue des suffrages. Elle est proclamée élue et les adjoints la composant sont immédiatement installés. Je félicite ces adjoints et leur indique que j'aurai plaisir à travailler avec eux. Je les remercie d'ores et déjà de leur investissement pour le bien de notre commune et l'intérêt général. Nous allons enfin évoquer... Ils vont d'abord venir. On ne va pas donner les bonnes... Donc j'appelle le premier adjoint au maire, M. Christophe Honck. Monsieur Christophe Honck. J'appelle désormais le deuxième adjoint au maire, Madame Marie-Paul Anas. Troisième adjoint au maire, M. Hassan Salou. Quatrième adjoint au maire, Madame Catherine Lanza. Cinquième adjoint au maire, M. René Armando.
Sixième adjoint au maire, Madame Christelle Bertagna. Septième adjoint au maire, Monsieur Dominique Bruzizi. Huitième adjoint au maire, Madame Claudie Jiménez. Neuvième adjoint au maire, Monsieur Georges Vazia. Dixième adjoint au maire, Madame Christelle Rioton. Je tiens à dire que nous n'avons pas volontairement séparé les hommes et les femmes. Hein, c'est simplement le respect de l'ordre protocolaire qui l'impose. J'en suis désolé. Alors nous allons enfin évoquer le dernier point à l'ordre du jour de cette séance. L'article L2121-7, pardonnez-moi, du Code général des collectivités territoriales précise en son alinéa 3 que lors de la première réunion du Conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L1111-1-1 du dit code. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. Cette charte, je le répète, est inscrite à l'article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Ce texte dispose que les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu. Lecture de la charte. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel, futur ou présent, après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et demeure responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Enfin, je vous indique que vous trouverez dans les pochettes situées sur votre pupitre une copie de cette charte. Copie des textes indiqués à l'alinéa 3 de l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales, à savoir copie des articles L2123-1 à L2133-5. Oui, il a été mal, c'est pas grave. Et R3212, je pense que c'est -3 aussi, -1, il y a un problème de coquille encore sur le document, à D2123-28 du Code général des collectivités territoriales. Je ne les connais pas encore par cœur, d'où l'erreur qui est faite. Une fiche à remplir avec vos coordonnées, très importante, pour permettre à l'administration de vous informer parfaitement de la tenue des conseils municipaux. Un rappel des règles de déontologie relatives aux conflits d'intérêts pour lequel j'attire fortement votre attention et compte sur votre vigilance au regard des dernières décisions de jurisprudence qui ont été rendues. Un guide du statut de l'élu local établi par l'AMF, l'Association des maires de France, qui vous éclairera sur ces textes et sur les différents droits et obligations que revêt votre mandat et dont je vous invite à prendre connaissance. Je vous remercie d'en prendre acte. Enfin, et conformément aux termes de l'article R131 du Code électoral et aux dispositions du décret numéro 2020-742 du 17 juin 2020, je vous rappelle que le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants. Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin, ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire. Je vous notifie copie de l'extrait de cet arrêté concernant la commune que vous trouverez dans cette pochette, ainsi que le lieu et l'heure de la réunion. Ainsi, et conformément à l'arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2020, ce scrutin concernera l'élection de 35 délégués et 9 suppléants pour notre ville. Les conseillers municipaux sont délégués titulaires de droit. L'élection des suppléants se fait à partir de la même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe parmi les électeurs de la commune au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel selon le quotient électoral déterminé par le bureau de vote. Nombre de suffrages valablement exprimés divisé par nombre de mandats, c'est-à-dire le nombre de suppléants à élire. Cette désignation aura lieu le 10 juillet 2020 à 8h30 en salle du conseil municipal, hôtel de ville, place Jacques Cavas à Valoris. Conformément aux termes de l'article 10 de l'ordonnance 2020-562 en date du 13 mai 2020, j'ai décidé, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique et cette réunion sera diffusée, comme celle de ce jour, sur le site internet de la ville, redirigeant vers un site dédié. Il en ira de la même façon de tous les conseils municipaux, afin que nul n'en ignore. Vous recevrez également cette notification et l'extrait de l'arrêté et du décret par voie électronique dès la fin de cette réunion. Pour rappel, et conformément aux termes de la circulaire du ministère de l'Intérieur Nord INTA 20-15-95-7J en date du 30 juin 2020, chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux
est invité à présenter une liste comprenant 9 suppléants pris parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune. Ces suppléants doivent être de nationalité française et ne pas être privés de leurs droits, civiques ou politiques, par une décision devenue exécutoire. Il est rappelé que cette liste de 9 noms peut être incomplète. Cette liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et doit être déposée auprès du maire aux dates et heures fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. Elle doit indiquer, petit 1, le titre de la liste présentée, petit 2, les noms, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que l'ordre de présentation des candidats. Les conseillers municipaux également détenteurs d'un mandat de député, sénateur, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller départemental, conseiller métropolitain de Lyon, représentant à l'Assemblée de la Polynésie française, ne peuvent être désignés de droit par le conseil municipal dans lequel ils siègent. Le but étant évidemment d'éviter qu'ils votent deux fois. Ils doivent présenter au maire un remplaçant préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants. Article L287 et L444 du Code électoral. Cela est nécessaire si ces deux mandats lui donnent vocation à voter dans une même circonscription électorale. Les remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune de nationalité française et ne pas être privés de leurs droits civiques ou politiques par une décision devenue exécutoire. Le maire désigne les remplaçants présentés en tant que délégués de droit du conseil municipal. Cette désignation est de droit et le maire en accuse réception aux élus remplacés et la notifie au préfet dans les 24 heures. Cette proposition devra nous parvenir avant le 8 juillet 2020 à 12 heures, date et horaire impératif. Ces élus municipaux concernés participeront bien évidemment à la désignation des délégués et suppléants le 10 juillet prochain, le remplaçant n'intervenant que lors de l'élection des sénateurs du mois de septembre. Tous les conseillers municipaux étant de nationalité française, il n'y a pas lieu à d'autres remplacements. Lors des élections du 10 juillet prochain, et pour rappel dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. Ce sera le cas, bien entendu, pour notre commune. Nous sommes arrivés au terme de cette première séance, mais je vous indique d'ores et déjà que nous allons prochainement nous retrouver afin de prendre les premières délibérations de ce mandat, que je nous souhaite à tous très fructueux. Merci et bonne journée. Pardonnez-moi, Monsieur Tivoli, je vous écoute. Monsieur le maire, oui, j'aurais bien aimé que pendant ce conseil municipal, ce que vous disiez au début puisse s'appliquer, que vous puissiez laisser au moins une minute de temps de parole à l'opposition pour parler de ce conseil. Eh bien, je vous invite, ou j'invite les opposants qui souhaiteraient le faire, à prendre la parole. Je vous remercie. Je n'avais pas compris que certains voulaient le faire et j'en suis désolé. Non, mais... Vous êtes le bienvenu et tous les autres sont également les bienvenus à le faire, s'ils le souhaitent. Voilà, non, en fait, je voulais parler de... Je voulais revenir en fait sur les délibérations précédentes, dont de l'élection du maire. Donc, monsieur le maire, mes chers collègues, la démocratie s'est exprimée et les Valoriens et Golfe-Juanais vous ont placé en tête de ces élections. Je tiens à remercier les électeurs qui m'ont fait confiance ainsi que les employés municipaux qui ont œuvré au bon déroulement de ce scrutin. Je tiens à remercier l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette campagne. Ce fut une aventure humaine enrichissante de rencontres. Cette campagne s'est faite dans un contexte spécial, vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire, puisque nous avons été confrontés à une crise sanitaire qui a impacté cette élection. Un premier ministre qui ferme les écoles, les bars, les commerces et qui demande aux seniors de rester chez eux, mais qui maintient ces élections. Malheureusement, je crois que nous pouvons le dire, la grande gagnante de cette élection est l'abstention, avec 58% des Valoriens et des Golfe-Juanais qui ne se sont pas déplacés. Cela est le cas de partout en France, ce n'est pas qu'à Valoris-Golfe-Juan. Jamais une élection municipale n'avait si peu mobilisé. On ne peut pas se réjouir d'avoir un maire élu avec seulement 42% de participation, soit seulement 2700 voix sur 18 340. S'il vous plaît, laissez. Je ne dis pas ça par rapport à. Mais je ne dis pas ça par rapport à Monsieur Luciano. Je dis ça par rapport à tout, à la globalité en France.
Je formule le souhait que vous dirigez notre commune pour tous les Valouriens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, et les Golfes Juannais, en tenant compte des sensibilités de tous les électeurs qui n'ont pas voté pour vous, pour que chacun puisse y trouver sa place. Cela dit, les urnes vous ont donné la majorité au conseil municipal. Votre équipe va se mettre au travail. Je siégerai dans l'opposition. Je serai d'ailleurs la seule tête de liste à y siéger après la démission de M. Falcou et Mme Saluki, que je retrouve regrettable. Cette opposition... les démissions, hein. S'il vous plaît. Cette opposition est nécessaire au bon déroulement de la démocratie. Pour le bien de notre ville, ce ne sera pas une opposition systématique, ce sera une opposition constructive. Il reste maintenant à travailler intelligemment pour le bien de notre commune, car c'est bien là le plus important. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Tivoli, et je donne la parole à M. Chartier, qui souhaite également s'exprimer. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, en premier lieu, nous souhaitons remercier les électeurs que nous représenterons avec volonté et dignité. Nous voulons aussi remercier sincèrement Jean-Noël Falcou pour son investissement, son travail, sa constance et sa droiture tout au long du dernier mandat. Son soutien indéfectible à notre groupe sera précieux. Les électeurs se sont prononcés, regardons maintenant le présent et l'avenir, en espérant que cette nouvelle phase soit une phase où l'on se respecte. Le respect et l'humilité, c'est le moins que nous devons aux habitants de Valoris-Golfe-Juan, qui se sont divisés et surtout qui ont délaissé ces élections. La liste arrivée en tête a ainsi recueilli moins de 15% du suffrage des inscrits et notre liste de 10%. Humilité ne veut pas dire ne rien faire, bien entendu, mais faire en prenant en compte les différentes positions qui reflètent la diversité des tendances de notre ville, afin de recréer l'unité perdue. Notre groupe a été élu en particulier pour ses propositions en faveur de la relance économique, de l'écologie et de la participation citoyenne. Nous serons force de proposition au sein de ce conseil municipal pour représenter les électeurs qui nous ont fait confiance, pour contribuer au bon fonctionnement de nos institutions et pour apporter un renouveau à notre ville. Monsieur Luciano a déclaré vouloir respecter les oppositions et travailler avec tous. Nous lui proposons donc de nous réunir dès que possible afin d'élaborer le règlement intérieur du conseil municipal, socle de ce travail. Nous exercerons notre rôle avec une attention particulière au respect de l'équité, de la transparence, de l'écoute, du bien vivre ensemble et en œuvrant pour le progrès social et économique. Les habitants peuvent compter sur nous, une équipe dynamique et engagée au service de notre ville. Merci. Je vous remercie, M. Chartier. La parole est à M. Manago. Merci. Monsieur le Président de ce Conseil, mesdames et messieurs les élus, anciennement élus et nouvellement élus, mesdames et messieurs, laissez-moi vous féliciter, M. Luciano, pour votre élection ainsi qu'à votre équipe qui vous entoure et vous a suivi à vos côtés. L'écart de voix est si faible. Le contexte est si particulier également que seul le Covid-19 n'explique pas. Le principal gagnant, nous le savons tous, est le taux d'abstention, mais aussi le vote contre plutôt que le vote de conviction. Le désintérêt et le dégoût nous affligent d'une participation historiquement faible. Nous ne pouvons que le regretter, mais c'est ainsi. Le cumul de voix en votre faveur, pour vous-même, et celui des voix contestataires à l'encontre du maire sortant, représente moins de 15%. C'est regrettable. Mais c'est le corps électoral qui s'est exprimé. L'opposition, elle, représente presque deux fois plus. La presse a parlé de sacre, je l'ai lu il y a quelques jours. Or, le sacre est réservé au souverain, obtenant de gré ou de force une majorité absolue. Est réservé, et ce n'est pas le cas ici. Même un arborant qui veut bien l'entendre, et par crainte de tomber dans l'oubli, un cursus scolaire, le vôtre, somme toute banal pour un parcours universitaire. Vous l'emportez. Vous voilà maire aujourd'hui. Vous l'emportez, vous voilà maire aujourd'hui, avec des méthodes et des arguments. Laissez parler, monsieur Manago. Laissez-le terminer. Merci. Vous l'emportez, vous voilà maire aujourd'hui, avec des méthodes et des arguments que vous partagez avec seulement 35,44% des votants. Comme vous l'annonciez par voie de presse, vous souhaitez être le maire de tous. Or, ce statut se mérite. Mis à part une pétition contre le projet Nature en Ville,
Qu'avez-vous fait de concret pour la ville et ses citoyens ? Laissez parler, monsieur Manago, s'il vous plaît. Depuis votre apparition soudaine sur Valoris il y a 2 ans. Vous avez ce rôle aujourd'hui et notre groupe d'opposition attend, par vos actes et vos décisions, la démonstration de vos promesses et la tenue de vos budgets, dont aucune prévision n'a encore été dévoilée à ce jour. Néanmoins, vous recevez aujourd'hui, en héritage du mandat de Madame Saluki, un résultat de clôture 2019 en croissance de 25% à hauteur de 4,6 millions d'euros. S'il vous plaît. De quoi amorcer, je l'affirme, de quoi amorcer confortablement votre mandat. Oui, bien sûr. Ce que l'audit financier que vous souhaitez réaliser vous confirmera. Contrairement à l'écueil de gestion de son prédécesseur, laissant à Madame Saluki il y a 6 ans de cela, une ville en faillite, au bord d'une mise en tutelle, avec un taux d'endettement qui atteignait le seuil critique de 23%, dû aux emprunts qui étaient si catastrophiques que nous les avons taxés de toxiques. À ce propos, je voudrais corriger... Il me semble bien que vous étiez sur la liste de M. Gumiel en 2014, M. Manago, je ne me trompe pas. Je terminerai. À ce propos, je voudrais corriger... S'il vous plaît. À ce propos, je voudrais corriger certaines déclarations qui s'écartent de la réalité. Le difficile redressement de la situation de faillite de 2014, avec la stabilisation des emprunts, tout en maintenant l'équilibre des charges financières, du pouvoir d'achat de nos citoyens et des investissements prioritaires dans la ville, a été tenu grâce à une gestion rigoureuse menée par Madame Saluki ces 6 dernières années. Une rigueur... S'il vous plaît. Une rigueur qui n'a pas toujours été comprise ni acceptée. Replaçons cette réalité. Aujourd'hui, la ville est en capacité de rembourser plus qu'elle n'emprunte. C'est un fait. Donc, sa dette diminue automatiquement chaque année. Et vous en bénéficiez maintenant. C'est un peu technique, je vous l'accorde. Et si la compréhension vous échappait, je ne vous en voudrais pas. C'est simplement de l'ingénierie financière, c'est tout. Depuis 2016, la gestion de la ville a retrouvé son équilibre budgétaire et une stabilité d'emprunt, une stabilité qui est contrôlée et approuvée par le trésorier public. Quant aux différents projets que vous avez présentés et commentés, une partie s'avère être la suite logique des aménagements prévus dans notre propre programme. La réfection des rues, par exemple, et des trottoirs, l'extension du square d'abonnement, les espaces de vie, etc. Aujourd'hui, devenu possible parce que l'équilibre budgétaire de la ville y est enfin favorable. Pour d'autres projets, tels que le projet Nature en Ville et la base nautique, par exemple, vous avez affiché une opposition à l'encontre des dispositifs de financement qui ont été votés avec le concours du département et de la région. Qui peut croire que vous n'auriez pas étudié suffisamment ces dossiers en préparant votre candidature pour promettre une requalification des financements accordés ou faire plier l'État, tout simplement, sur les quotas de logements sociaux. La ville présente un déficit de 2500 logements au regard de la loi. Le projet Nature en Ville, tel qu'il était présenté et accepté, permet de résoudre une partie de l'équation, avec 80 logements sociaux et 120 logements propriétaires pour accueillir des jeunes actifs dans un cadre de vie bien intégré, moderne, dynamisant et non intrusif dans le cœur de ville. Monsieur Luciano, pouvons-nous croire au sérieux de votre candidature, à votre connaissance des nombreux dossiers en cours pour tenir vos promesses ? Vous prenez ce mandat dans de bien meilleures conditions que votre prédécesseur en 2014. Je vous renouvelle donc mes félicitations ainsi qu'à votre équipe en formulant le vœu solennel que vous sachiez faire autant et avec autant d'intégrité que ce qui a été accompli par Madame Saluki en 6 ans pour notre ville et toutes les communautés vivant au cœur de Valoris-Gonflejouan. Vous avez 6 ans pour donner le meilleur de vous-même. Merci. Je vous remercie, Monsieur Manago. Je ne commenterai pas vos propos qui, manifestement, ne sont pas partagés par la majorité des citoyens de notre ville, tant s'en faut, vu le résultat de Madame Saluki, dont il ne nous appartient pas ici de faire l'éloge ou la critique. Je rappellerai simplement un fait. Madame Saluki, au premier tour, est le maire sortant qui fait le résultat le plus mauvais de tous les maires sortants, non pas seulement du département, mais de la région tout entière. Que vous ayez apprécié son bilan, vous en êtes libre, et c'est légitime, mais je pense qu'il ne faut pas attaquer la légitimité de ceux qui ont été élus, qu'il s'agisse de la majorité ou même qu'il s'agisse de l'opposition.
En démocratie, il y a une valeur qui est fondamentale, c'est celle de respecter les urnes. Or, les urnes ont parlé, Monsieur Manago. Les urnes nous ont placés dans la meilleure position. Elles ont également élu d'autres candidats. Je m'en félicite et je tiens à remercier M. Chartier au nom du groupe anciennement M. Falcou et M. Tivoli qui ont su montrer, me semble-t-il, une volonté de collaborer activement pour l'intérêt de notre ville. J'en serai très heureux, je l'ai dit dans mon discours. Une fois élu, je serai le maire de tous les Valoriens et de tous les Golfe-Joannais. C'est ce que je souhaite être. Je tends la main à tout le monde. Je ne suis pas là, contrairement à d'autres, pour régler des comptes, pour défendre des bilans ou pour accabler d'autres. Ce qui m'importe, c'est l'avenir de notre ville. Et je pense que nous devrions tous avoir en partage cette préoccupation de l'avenir de votre ville. Je remercie chacune et chacun. Je déclare close la séance du conseil municipal.